Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Beurre TV pour un nouveau numéro de votre émission La Troisième Mi-temps. Une émission qui sera consacrée dans son intégralité, encore une fois, à l'équipe nationale. Pour m'accompagner ce soir, le consultant de la chaîne, Nasser Bouhij. Bonsoir Nasser. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hammo. Vous avez sans doute remarqué l'absence de notre ami Hadj Adlan. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il est l'heureux papa d'un nouveau-né. Mais pour le moment, on n'a pas encore le nom. Peut-être qu'il ne répond pas au téléphone parce qu'il a peur en demander le tamména. Le tamména, il ne répond pas pour le moment. Oh, même tamména. Hadji, tamména. Nous avons choisi ce soir, pour nous aider à décortiquer le match de notre équipe nationale, le meneur de jeu des Lions du Chélif, en l'occurrence Hussein Achou. Bonsoir Hussein. Salam alaikum, bonsoir. Merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Aussi, pour nous apporter leur éclairage et réflexion, deux confrères et amis. D'abord, Salim Salhi du quotidien sportif Compétition. Bonsoir Salim. Bonsoir, bonsoir. Tout le monde. Également avec nous, Saleh Bey Aboud du quotidien InfoSoir. Bonsoir Saleh Bey. Bonsoir Hamo, très heureux d'être avec toi sur ce plateau. Merci. Voilà. Sans trop tarder, voici les grandes lignes de notre émission de ce soir. Retour sur la conférence de presse de Vahid Halilhodžić. Que faut-il retenir du match contre le RCA? La presse, est-ce un obstacle ou une pression pour Vahid? Pourquoi les coachs de la Ligue 1 ont mal réagi aux propos du sélectionneur? De quelle manière joue la sélection version Vahid? Nous terminerons avec l'interview vérité de notre invité Hussein Achou. Messieurs, avant de parler du match qui s'est déroulé dimanche dernier contre la RCA avec la victoire de l'équipe nationale sur 2-0, je voudrais juste qu'on revienne un peu à la conférence de presse parce qu'elle a été vraiment commentée en long et en large. D'abord, on a été surpris de voir un Vahid Halilhodžić avec son tableau décortiqué. Et ça, je pense que ça a été, c'était destiné à la presse, Salim. Effectivement, le coach ne parle pas beaucoup par rapport aux anciens sélectionneurs. Et quand il parle, il s'adresse, c'est-à-dire il a mis tout un cérémonial. C'était, il voulait marquer sa première conférence de presse pré-compétitive sur Alger. Parce que bon, il a déjà fait une conférence de presse avant le match, voilà. Mais cette fois-ci, c'était, il y avait la pression de la défaite contre la Tanzanie. Et cette fois-ci, il voulait montrer un peu la touche Vahid en mettant en place un show. Il a mis un tableau, il a essayé de faire un peu de pédagogie aux journalistes. C'était une leçon, pratiquement une leçon. Voilà, mais bon, je dirais plutôt un show. Parce ouais. que bon, en mettant des pions, des... Nous, de la presse, on n'est pas très. On n'est pas ces joueurs. On est des journalistes, on veut connaître quels sont les joueurs les plus en forme, quels sont les joueurs qui peuvent. Sur qui il peut compter. On ne va pas dans les détails techniques du technique. Ceci dit, ça nous a servi à mieux cerner le match de dimanche en retenant certains de ses propos, comme. On a un peu critiqué certains joueurs. On a dit, que, par exemple, pourquoi insister sur Matmour? Il a dit que Matmour l'avait séduit. On ne comprenait pas, alors que Matmour n'avait pas trop bien réussi son match de Tanzanie. Et il a répondu que c'était le seul joueur qui jouait qui jouait dans la profondeur. Il demandait des ballons derrière les défenseurs, et ça s'est un peu vérifié dimanche, où le deuxième but, c'est ce même joueur qui a servi Kadir pour marquer le second but. Mais Salim aussi, c'était destiné parce que Bzef, Ktro, Lénan, pourquoi pas Hada, pourquoi ne pas avoir sélectionné Hada, pourquoi le... C'était un peu... D'ailleurs, ouais, il a insisté sur ça, il a dit Bzef, vous focalisez trop sur les joueurs alors que vous délaissez l'essentiel. Mais bon, il y avait le capitaine de l'équipe nationale qui était absent. C'était un événement qui n'était pas sélectionné. Qu'on le veuille ou non, Karim Ziani a fait 9 ans en sélection, 8 ans en sélection. Et là, il est absent
d'un match officiel. Et il était normal que la presse pose des questions sur l'absence de ce joueur. La deuxième interrogation, alors il n'y a pas eu de questions sur Boudbouz. Vahid a parlé tout seul. Il a évoqué le cas Boudbouz sans que les journalistes lui posent. Et donc il voulait donner des explications. La presse n'a joué que son rôle de poser des questions sur l'absence d'un joueur qui était par le passé un homme clé de la sélection. Maintenant, à mon avis, sur les explications de Vahid sur Ziani, il s'est dérobé. Il n'a pas d'un coup il dit il était blessé au moment que j'ai confectionné ma liste. Et après, il dit il peut regagner sa place dans le futur. Donc, force, quelque part, il y a une contradiction entre. Parce que sinon, il aurait dit une fois qu'il n'est plus blessé, il revient en sélection. Mais c'est la question que j'ai posée à Aboud. Les argumentaires, ils tiennent la route concernant le cas Ziani. Hein. Bon, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit. Bon, pour un premier match à Alger, je pense que. En vieux renard rusé et vieux briscard du football, Vahid Halilhodžić a un peu préparé son scénario un peu pour cette conférence de presse. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'est ramené avec un tableau pour un peu déplacer le débat et éviter un peu trop les questions des journalistes. Et disons qu'avec après 2 mois de travail, il a un peu connu le milieu du football algérien, du moins avec la presse, et c'est pour cela qu'il a voulu un peu parler football, comme il a dit. À un moment donné, il s'est levé, et il a invité tout le monde à aller vers le tableau, et il a dit « parlons football ». Maintenant, pour ce qui est du cas Ziani, moi j'ai toujours dit, et j'ai défendu cette position, c'est qu'il y a eu, à mon avis, une maladresse au départ. Parce que ne pas convoquer un joueur, c'est un choix respecté d'un entraîneur, donc c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que au départ, il avait dit que ce joueur était blessé. Or, le lendemain de la déclaration, de l'annonce de la liste des joueurs, Ziani avait joué un match. Il était même derrière un but. Donc, à ce moment-là, ça a suscité les interrogations, ça a suscité la polémique au sein de la corporation. Et c'est tout à fait normal que, le jour de la conférence de presse, certains confrères avaient posé cette question tout à fait légitime, pour laquelle, même ce jour-là, Halilhodžić s'est un peu dérobé, en n'assumant pas vraiment sa responsabilité ou son choix sur le cas Ziani. Il y a une réflexion d'un entraîneur, d'un ex-entraîneur de Ligue nationale, là, que j'ai rencontré, Kali, je n'ai pas compris, Anaya, qui fait Ziani. Il est, d'abord, il a entendu dire, il ne voulait pas, enfin, l'a critiqué, entre guillemets. Kali Koumba, moi je ne comprends pas qui fait Ziani, capitaine en Tanzanie, pour après, ça, le match d'après, Kali, ça, je ne comprends pas. Je pense que déjà au match à la Tanzanie, c'était son premier match officiel. Il ne voulait pas un peu chambouler les habitudes. Maintenant, je te dis, premier match, tu fais confiance au même groupe, le même capitaine et tout. Mais sincèrement, quand on parle de Ziani, par exemple, déjà, Kemal Salim, tout le débat était au départ peut-être l'événement Ziani. Même, je suis contre. C'est pas possible. C'est un joueur, c'est vrai qu'il a fait partie d'une sélection pendant 9 ans. Mais jamais la presse, que ce soit Antoum, Salim ou là, quand il y a les prestations de Ziani, qui sincèrement, quand on voit Ziani jouer les derniers matchs, personne n'a critiqué les prestations de Ziani. C'est pas possible. De Houa, peut-être, qui est à contrôle de la conférence de presse, Jaben Pablo, c'est pour que les gens. Arrêtons de parler de. Parce que quand on lit un peu les médias, tous les différents journaux, le volet technique. Comment l'équipe va jouer, comment on a joué, est-ce qu'on peut jouer avec ce système de jeu? On parle que de X, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas venu, il est en retard, l'autre il est blessé, l'autre il se soigne à Aspetard, l'autre il est à Guingamp, ou je ne sais pas. Non, mais c'est normal, on est à la place d'Halilhodžić, je viens, et vous, tout ce beau monde, dénomme un tableau, on colombe le terrain, c'est le terrain, comment je vais. Est-ce que quelqu'un. Là, pardon, quand il y a quelqu'un, pardon Aboud, Wahdi Djan Retard, il faut en parler, d'ailleurs on va parler de Bouazza. Bien sûr, ça fait partie. Non, ça c'est un règlement intérieur des fois. Oui. Non, la question elle est posée. Sur le technique. Pardon. Ziani, il a gardé le brassard, le match à la Tanzanie. Oui. Ça c'est la réflexion d'un ex-entraîneur de l'équipe nationale. Un ex-entraîneur de l'équipe nationale. Oui. Cet ex-entraîneur de l'équipe nationale, il aurait fait la même chose.
يحكم لا تنزاني لو برومي ماتش تاعو الى عبد زياني قال لك انا ما نديرهاش نو سي سكو جدي كيفاش ما يديرهاش قال لك انا سي جي ديسيدي دو لونلفي كنت نحيه جو لو في با جوي كابيتان ومن بعد باش نحيه عبد زياني اون سي كو سون نيفو جو ا بي سي ميم كي كان يلعب اون تركي ولا كان يلعب اون المان سون نيفو ا بي سي با بوكو طون جو اوتوماتيكمون ريغريس بون ومن بعد راح لقطر Au Qatar, c'était peut-être l'occasion à Lilozic. Il fallait un exemple, peut-être. Et c'était yani, tout ce beau monde qui est parti au Qatar. Il fallait quelqu'un sacrifier quelqu'un au moins une fois. Et c'était Ziani. Et Ziani, par contre. Mais je sais aussi qu'il a visionné des cassettes. Lilozic a visionné des cassettes. Et Win Ziani, Majbouch. Oui, Salim. Sur le cas Ziani. Même Ziani reconnaît qu'il n'est pas bon. Il voulait, au moment du choix, le Qatar, les journalistes, on lui a posé souvent la question, pourquoi le Qatar ? Il dit, vous voulez un Ziani qui ne joue pas avec Wolfsburg ou un Ziani qui joue quelques matchs ou qui joue plusieurs matchs au Qatar ? Qui a de la compétition. Et voilà. Mais le problème de la gestion Ziani par Vahid, il est l'entraîneur national, il a le droit de choisir Ziani ou de ne pas le convoquer. Oui. C'est l'explication qu'il donne. Et pour le Ziani blessé, il n'avait pas besoin de dire Ziani blessé, voilà. Comme a dit Aboud. Le lendemain, il joue et fait un de ses meilleurs matchs. Et pour le il a donné une explication pendant la conférence de presse. Que si Ziani était là, j'aurais peut-être pas laissé la chance à Djabou. J'aurais peut-être pas laissé la chance à. L'idée générale, elle est là. Voilà. L'idée générale. Il serait resté dans cette. En fait, il n'est pas allé jusqu'au bout de son. Voilà. Ses arguments. Voilà. Il aurait dit j'ai fait un choix. Je connais la valeur de Ziani, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je ramène d'autres. Je les essaye. De toutes les façons, nous sommes éliminés. Et je prépare une équipe pour la prochaine compétition 2013. Je fais d'autres. Ça aurait été un choix qu'aucun journaliste n'aurait pu ni commenter, ni. C'est le coach national, il a le choix, il a le droit et le devoir de. Moi, je dirais que ça aurait été difficile pour lui, c'est vrai. 9 ans, écarter un joueur clé de la sélection, comme on dit, capitaine d'équipe. Il y a des manières, peut-être qu'il a usé de cette manière pour. Oui. Et comme il y a eu polémique derrière, peut-être qu'il s'est un peu embrouillé. On va poser la question à Hussein. Ali Taziani, comment qu'est-ce que tu fais là? L'éviction théâtre. Chacun comment il peut l'interpréter. Peut-être le coach il veut un peu piquer Ziani en enlevant pour juste un stage et après le reprendre dans un futur proche. Sinon, c'est comme il l'a dit le journaliste compétition. Je pense qu'il est libre de faire ses choix. C'est un nouveau entraîneur. Il a sa façon de voir les choses. Ziani, on ne va pas le présenter. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Mais l'équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. C'est mon point de vue. Et peut-être il a vu que Ziani, lors de cette convocation, peut-être dans sa vision, il n'était pas au top de sa forme. Maintenant, Ziani, s'il n'est pas convoqué sur un stage, ce n'est pas la fin du monde. Mais je pense qu'il a sa place en équipe nationale. Maintenant, avec cet effectif, Ziani, il a sa place en équipe nationale. Après, comment le coach il va l'utiliser, on ne sait pas comment il réfléchit pour le futur, on ne sait pas. Ça, c'est. Mais dans une de ses déclarations, l'entraîneur, il dit que le jour où Ziani retrouvera son niveau, il reviendra au top, il sera rappelé en sélection. C'est clair. Ça, c'est une règle générale. Ça. C'est, non, mais lui, c'est lui qui l'a déclaré, c'est le sélectionneur. Bon, il y a eu peut-être une non-convocation pour ce match, mais il a dit parallèlement que le jour où Ziani sera au top, il sera dans la sélection, il reviendra à la sélection. Si tu permets, Hamou, moi je voudrais juste répondre un peu à Nasser Bouch tout à l'heure, quand il disait que la presse ne disait pas que Ziani n'était pas au. Sur la prestation. Oui, enfin on l'a dit, tout le monde, je pense qu'il a commenté que Ziani n'est plus le Ziani qu'on a connu ces dernières années et qu'il a baissé de forme. La preuve, c'est qu'il ne joue pas dans un club européen, il joue au Qatar. Ziani, hein. Il n'y a pas que Ziani. Non, on en a parlé de Ziani, oui. Parce que Hamou m'avait pas posé la question. Mais là, c'est peut-être l'exemple. Oui. Il a servi d'exemple. Ziani qu'on a l'image de l'équipe. C'est l'équipe qui fait Ziani ou qui ne fait pas Ziani. Parce que c'est un meneur de jeu. L'éviction de Ziani,
On a pour moi, Vajda Ilozic, il a voulu lancer un seul message à tout le groupe, aux joueurs, aux dirigeants de la FAF, à tout le monde. Il leur a dit « Ana huwa al-ma'allem ». Tout simplement. Salim, hein? Mon journaliste. Ana huwa al-ma'allem, j'enlève Ziani, je ne jibch Boudbouz, parce que Boudbouz, je ne m'en jibch al-khtar. Il aurait pu le ramener. Bessah Salim, l'explication. Meda, quelque part, Meda, qui est à la conférence de presse, quand il dit « Même Maradona, mes conscients forts, je ne m'en jibch ». C'est clair que, pour dire que Ziani n'est pas en forme. Mais je ne sais pas d'être forme. Ce n'est pas qu'il était en forme ou en méforme. Pour moi, il voulait dire à Ziani « Cette fois-ci, tu restes à la maison ». On a un décédé, qui lui a servi d'exemple pour tout le groupe. Et pour peut-être laisser d'autres joueurs, parce qu'en Ziani est là, il impose. Il est au milieu du terrain, il est ballon l'Azmi Djouzoum Nando. Peut-être pour laisser à d'autres joueurs de mieux s'exprimer sur le terrain. Pour le, aujourd'hui, il a mis, dernier match, dimanche, il a mis Delkadir à gauche. Il était libre, alors que le couloir Adak, la sélection, souvent Ziani était Adak, bloqué. Donc, Adak, mais Khtara l'a boit à gauche. Et il était un peu plus libre. Peut-être que c'était ça son objectif. Chikhli, des joueurs évoluent. Ah oui, si. Voilà, sans Ziani, comment ils évoluent. C'est ça, c'est pour voir la réaction de l'équipe sans Ziani. Il y a ça aussi, au-delà du jeu, même l'ordre établi. Parce que certainement Vahid, c'est ça. On a briefé qu'il y avait des choses qui se passaient dans le groupe, etc. Donc le fait de mettre déjà Ziani de côté, c'est un message pour tout le groupe. Cela n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché. Mais ce qui m'a... Un autre cas d'indiscipline, entre guillemets, c'est Abou Azza. Et quand on sait que c'est Abou Azza, la déclaration qui est l'équipe nationale, il y avait de l'indiscipline. Ou sera le cas Boudbouz, juste après, il est libéré. Il joue un match le samedi. Il dit l'équipe nationale, il prend son temps, il passe par Paris. Il a invoqué maladie de Yimma, ou Majesh le stage, finalement, en retard plutôt, finalement il a été sanctionné. C'est clair. C'est valide. Hein. Vous demandez aux joueurs, aux dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui est assez rigoureux sur le plan disciplinaire. Donc c'est Bouazza, il paye un peu. Mais moi, je ne reste pas sur le cas Bouazza parce que, bon, il a été résolu par le coach. Moi, je reste un peu interrogatif sur le cas Djabou, parce qu'il l'a déclaré en conférence de presse qu'il allait plus ou moins remplacer Ziani dans le jeu. Dimanche, on n'a pas vu une équipe qui mettait le ballon à terre, qui construisait à partir de derrière. Et ça, moi, je reste un peu interrogatif. Pourquoi, par exemple, puisqu'on dit Insan Halilhodžić, il est ferme, intransigeant, allez, je m'en charge d'Uldar, puisqu'il est en retard. Il est tout au début, c'est vrai qu'il faut sévir, il faut l'achar, mais là il est tout au début. L'achar, il n'est pas dans l'équipe déjà. C'est son sang, il n'est même pas quelque parmi le truc, tous les tribunaux là. Mais là il est tout au début, on ne peut pas. C'est juste son deuxième match. Moi je pense qu'il faut laisser un peu de temps pour tout ça, même pour la discipline, même pour le jeu, même quand on a vu l'équipe jouer, Kima Kal Salah. Sincèrement, il n'y a pas de différence entre les deux sélectionneurs qui étaient avant, hein, c'est-à-dire la production de jeu. Il n'y a pas de génie dans le jeu, il y avait un leader d'attaque, il n'y a pas, même avec l'éviction de Kemal Salim Taziani qui était absent, on n'a pas vu un jeu vraiment fluide ou le véritable jeu algérien, surtout au 5 juillet, parce qu'il y a une équipe très modeste à la République centrafricaine, il faut le dire. صاحب لو كان هذا حسين اسكو او بونسي بلي يزيدوا يحطوا رجليهم في القاع لي جوار هذوما يبون فا بلوس اتونسيون دركا يوليو بيان سور دوك يزون با انتيري يخرجوا على الطريق على لا لين اللي دارها لهم لو كوتش دونك هما رايحين يتبعوا صافا تر ان بو ديفيسيل بالك تجيهم ان بو بيزار Mais il faut suivre le coach. Donc, si le coach Agda, donc déjà les journalistes d'Arhom, qui m'a dit le compteur, il a mis les points sur les i. Donc, les joueurs, ça sera facile pour lui. Il a l'habitude, il a fait ça avec les grands joueurs.
Mais Hossein, avec les Ronaldinho. Hossein, qui est l'entraîneur Hagda? Par exemple, tu as une équipe, il dit un entraîneur ferme. Ça parle entre joueurs. Moi, je attention, pense. Attention, Balak. Non. C'est facile d'être discipliné. Normalement, les joueurs, déjà dans leur club, il y a une certaine discipline. Donc, en équipe nationale, Kinjo, on est encore plus motivé. Donc, on veut arriver à l'heure, on veut être là, on veut être présent. On veut montrer qu'on est discipliné, même si dans nos clubs, un peu, on fait ce qu'on veut. Mais l'équipe nationale, c'est les matchs du pays, c'est tout ça. Ouais. Donc déjà, tu as plus en équipe nationale. Donc ça sera facile, surtout pour les nouveaux joueurs qui veulent briller. Donc, On va parler également du cas de Bounjah, plutôt, de Al-Harraj. Beaucoup... كي كنت يلا بارلي دو كاتا هاد جوار كي قال يا ان جوار توما ما شفتوش واني راهي من بعد لي كونفوكي ومن بعد لا بريس تقول لك سي با ان ديكوفرت تاعو باسكو كاين الناس اللي جابوه اسكو هو سيتي ان بلوف هو اسكو لا بلوفي بهاد ليستوار تاع بونجاح سليم مو جو بونس با كي بارلي دو سو جوار باسكو ما اون ابري هادايا كو كونسيرنون بونجاح سيتي بوندون لو ستاج. C'était une suggestion à Zdena Djoudi. Il y a un bon attaquant, si vous voulez l'essayer. Donc, il a pour deux séances où il a rejoint les Olympiques. Je ne pense pas qu'il parlait de celui-là. De qui? Monsieur Bounjah, on dit que c'est un joueur du Cap Batna. Il y a des pistes qui sont. Je l'ai vu quatre fois. La conférence de presse, il a parlé de. Moi et mon staff, on l'a visionné, on l'a vu jouer quatre fois. Vous l'avez vu. Le match, les chefs, voilà. Donc, beaucoup disent que ce n'est pas lui, parce qu'il a dit qu'il va être convoqué pour les prochains stages. Il a été clair, y compris pour le Cap Bouazza. Première conférence de presse, on savait que Bouazza n'allait pas jouer, parce qu'il y avait deux joueurs, déjà au retard. Lui et Bouzid. Mais Bouzid, il a demandé l'autorisation. Oui. Machi s'est excusé. Mm-hmm. Il a demandé l'autorisation d'être en retard. Alors que dans le deuxième cas, Bouazan ne l'a pas fait. Mm-hmm. Et il a eu un face-à-face. Tu étais titulaire pratiquement après ton match, ta deuxième étoffe, la Tanzanie. Tu allais jouer dimanche. Et par ton retard, tu es mis à l'écart des 18. Il a eu un langage direct, mais le joueur. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Ça, il prend pas de place. On revient sur l'histoire de Bounjah. Est-ce que ce n'est pas un signe fort les joueurs locaux, Nasser? Écoute, quand on voit la prestation de l'équipe, même si je suis un joueur local, je trouve l'équipe Telab qui m'a. Et le message de le sélectionneur qui dit que les portes sont ouvertes, qui même les sélectionneurs Lidiazo, ils croient que les portes sont ouvertes, mais on n'a rien vu venir. Je pense que le joueur local, qui va le match d'ailleurs, un bon joueur local qui travaille dans son club, qui travaille une femme, Hossein Alabalou, peut-être, peut-être le joueur local, mais il n'y a pas beaucoup dans le club. Parce que quand il vraiment, il a largement sa place pour la sélection. Un bon joueur, dans le cas. On a vu un peu la prestation de Mtelef, un joueur local, qui n'était pas loin un peu du niveau des autres. Et c'était, mais ce qu'il y a, un bon joueur local peut avoir largement sa chance de faire de la sélection. À dire. Non, le vrai signal pour moi, c'est Mtelef. Parce que d'habitude, les entraîneurs nationaux, que ce soit dans un passé récent, Saadane ou Latnechecha, on le dit, il a un local quand il n'a pas de solution. Mais là, Mtelef a joué dans un poste où il y avait des... Ok, tu peux laisser au gars. Là, il y avait Belhadj sur le banc. Kimoto aussi. Non, il est revenu. Kimoto, gars. Il pouvait faire... Mais diminué. Diminué. Mais bon, il y a beaucoup d'entraîneurs par le passé qui n'auraient pas fait confiance à Hossein. Mais Hossein, il est mieux placé pour... Il y a un joueur local qui... Kimoto, gars. Voilà. Non, peut-être que ça va changer. C'est un signal fort. Je pense que c'est un message les joueurs les Amilabo, que ce soit Chafed, championnat, ou notre championnat, les joueurs algériens en général, que ce soit les Labo Hna ou la Lhé ou la première ou la deuxième division. Il y a de la place. Il y a une place. Les joueurs les Ajbo, les Chouf, les Andolo Nivou,
pour donner un plus à l'équipe nationale, il est le bienvenu. On met Haouis à l'Asm. هذا هو تسمى الميساج بالك اللي مدوا بلا كونفوكاسيون تاع بوجناح ولا بنجاح بنجاح وبالك بلا نون كونفوكاسيون تاع زياني تسمى كيما قادر نحي واحد اللي كنتو نتوما دايرين في راسكم باللي ما يتنحاش كيما قادر نجيب واحد اللي ما تعرفوش كاع بصح حسين سي اون بارل ولا هضرنا على لا فورم اكطويال واحد كيما coéquipier تاعك في الشلف سيغان il aurait mérité peut-être sa chance là هضرنا عليها مقبل في لي كوليس je pense que il le coach mazal ma chafch balak il n'a pas eu l'occasion باش يشوف لايس وشلف mais je pense qu'un joueur qui démarre avec da fort le championnat avec 4 buts c'est un joueur à voir il a été séduit par l'attaque du شلف déjà le premier match du شلف au championnat d'Algérie c'était Ousmane شلف le dernier match de la saison passée Il a vu le dernier match à Chlef. À Chlef, il a vu le match. Il a posé la question parce que c'était un match extraordinaire. Ouais. L'engagement des deux côtés, ça jouait et tout. Une équipe qui jouait. Alors, nous, c'est pas tous les matchs, les Hagdaï. Ouais, parce qu'on a exceptionnel. Fêter le titre, on a sans pression. Voilà, effectivement. Mais l'attaque de Chlef avait frappé. Mais Chlef, pour revenir au Chlef. Ça pose le bal. C'est normal. Non, le niveau du match, pas de l'équipe. Pour revenir au Chlef Hussein, c'est vrai, parce qu'il y a des joueurs qui font l'équipe, qui font l'équipe de l'AB, l'équipe contre la République centrafricaine. Je pense que c'est un joueur qui est en forme. Il faut qu'on l'offre la semaine avec, ou le mois avec, surtout le mois avec. Un joueur en forme, dans n'importe quel poste, il y a la sélection. C'est mon point de vue. Smahli Nasser, je suis en compte la sélection déjà. Surtout pour le joueur local. Pour le joueur local, c'est plus facile. Il a bonne sélection. Parce que, avec de très bons joueurs, les meilleurs joueurs. Donc, il peut s'adapter. Balak le club t'a ando le poids ou lazem parce que c'est le meilleur joueur de son club lazem dir le lab lazem alors que l'équipe nationale il est aidé par de très bons joueurs donc il met la prestation t'a out comme maher donc je parle de ma propre expérience j'ai toujours bien joué mieux joué avec l'équipe nationale que le club t'a on va parler un peu du match t'a dimanche dernier Vahidali Lozic avait annoncé la conférence de presse et même dans ses différentes interventions, il veut jouer l'attaque, il veut un jeu plaisant. On avait l'occasion peut-être de voir faire le match d'ailleurs, mais finalement on est resté un peu sur notre fin. On avait une seule mi-temps. Une seule mi-temps où on a marqué 2 buts. Mais après, on se demande ça, si on peut vraiment jouer l'attaque avec des joueurs. Je vais citer 2 joueurs. Les stats tahoum, elles sont effarantes. Par exemple, un Ghazal sur les 3 dernières saisons. Dans le championnat italien, son bilan est vraiment nette régression. 2008-2009, 5 buts. 2009-2010, 6 buts. 2010-2011, 2 buts. Soit 13 buts plutôt, en 87 matchs. D'autant plus que les deux clubs théâtraux précédents, Hapto, ou le club actuel théâtraux, offre les dernières loges. Et il y a aussi Matmour. En 73 matchs en Bundesliga, depuis 2008, il a marqué 5 buts. Nasser, les stats à deux, ils chelouent. Les stats, ils chelouent. La production de l'équipe, je fais une bonne assez. On en parle presque moyen. Non, on reste flat, Nasser. Quand on parle. D'ailleurs, on a vu même, je fais Ali Lozic gesticuler le coup de dame. Exactement. Je crois que le match, on a vu que les joueurs à Douma. Sincèrement, ce n'est pas avec ces joueurs qu'on peut jouer un jeu à l'offensive qui m'a parce que je ne pense pas qu'on a fait les différentes équipes l'entraînent. Il y a un jeu fluide, il y a une qualité offensive extraordinaire. Mais je pense que ce n'est pas avec ces joueurs l'Indana actuellement qu'on peut produire un jeu offensif de qualité. On a vu, on a marqué sur une balle arrêtée. Il n'y avait pas de marquage. Ils sont naïfs, donc les défenseurs. Le deuxième but, ça fait longtemps qu'on n'a pas marqué sur une action de jeu. Bon, et c'est vrai que Matamor a fait un appel en profondeur, il fait le centre oui. Mais bon, ça reste toujours juste moyen. Moi, je pense que c'est pas avec 6 joueurs qu'on peut avoir une ligne d'attaque qui crache le feu, qui manque l'eau. Les Zaza qui manquent l'eau, mais c'est difficile. En deuxième mi-temps, d'ailleurs, on n'a rien vu, que des ratés, 2 ou 3 ratés. Ça reste très insuffisant. Un Alia sur ce match-là. Hussein, vous partagez cet avis?
كانكش الديبي تاع الماتش كنت سي ان بون ديبي كيما نقول لك بور لوفونسيف ولا انا نهضروا على لوفونسيف لوفونسيف جو بونس كو سي ان بون ديبي ماركي لا بروميير مينوت جوست ابري اون ا كونفوندي شغل فيتاس اي بريسيبيتاس ولينا نلعبوا ان جو ديريكت الوغ كيل فالي ابري افوار ماركي ان بوت جو بونسي كو راحين نحطوا بلوس لو بالون نحوسوا على لي ترو نلعبوا ا غوش ا دروات تما لعبنا بزاف في الكولوار نشارشي توجور لو ميم كولوار بور لي سونتري الوغ كيل فالي كارتي بلوس سات ايكيب كي ايتي ديزورغانيزي شويه في لا ديفونس اون افي دي كنديرو ديكاليوهم شويه ا غوش ا دروات نلقاو بوكو ديسباس شوف لو دوزيام بيت كيفاش تماركا لعبنا اون دو روميز راح متمر On a juste changé de direction, il y avait l'arrière, les deux centraux au premier poteau, l'arrière presque à 20-25 mètres, et deux joueurs tannaf derrière les buts. Donc, le premier joueur marqua. Donc, rien n'a changé malgré les deux buts. Enfin, ça fait longtemps qu'on a marqué. Les deux buts qui devaient libérer ou non. Marqué 3, par exemple, le match à l'Égypte. Je pense qu'on a mal interprété les gestes. Je parle d'une mi-temps, attention. Ah, non, la première mi-temps. Non, la première mi-temps. Je pense que le coach quand il joue beaucoup plus, il presse l'équipe flasant tao, quand il dit eux, on a pris ça pour attaquer. Donc il fallait récupérer le ballon là où on l'a perdu. Oui. Et si on presse, c'est pour aussi relancer. Voilà, il parlait du bloc. Oui. Dès qu'on perd le ballon, on récupère sur place, on ne recule pas. Alors, on a joué un jeu direct. On a juste une première mi-temps, c'est comme si on cherchait une qualification. On a marqué son 2 ou 3 buts pour nous qualifier. Alors que c'était normalement, après avoir marqué le premier but, normalement, on aurait été plus à l'aise, on aurait posé le jeu. Mais je pense que les joueurs, quand ils ont beaucoup plus pour plaire à l'entraîneur que pour plaire au public. Non, je dirais à l'entraîneur parce qu'ils jouent leur place, le coach est en train de voir tout le monde. Je pense que c'est simple. Cela n'a pas aussi empêché les confrères de... Justement, la question s'adresse à Likoum. La presse, c'est une pression de Lyon ou un obstacle pour Ali Lodzic? Salim. Non, on fait notre boulot. Hein. La presse algérienne, elle n'est pas différente de la presse... des autres pays du monde. On pose les questions qu'il faut. On a une situation alarmante. Un bel charmachim, l'équipe nationale. Il y avait une situation. La dernière victoire remonte à. Annaba 1-0. C'est une victoire. 1-0, 90 000 supporters. Mais c'est une victoire. Chaudron. 3 points. Oui, mais il n'y avait pas la. C'est-à-dire de la manière, elle n'y est pas, ça fait longtemps. Non, pourquoi sur ce match avait été pour déterminer je hâte de l'équipe nationale. Qu'est-ce parce que quand des joueurs les nefront bzaf alors que quand on à côté de la plaque ou on a droit à les. Non, je vais poser la question. Voilà. Salim, on remarque qu'il y a ça, chaque quotidien pratiquement, j'exagère un peu, il défend ses 100 ou ses joueurs. Vous n'êtes pas d'accord? Non, la compétition, ce n'est pas le cas en tout cas. C'est-à-dire, on n'a pas de... Non, parle, on n'a pas de poulain. On n'a pas de poulain, voilà. Pour être clair. On ne peut pas avoir de poulain. Non, je veux dire, on n'a pas de préférence. C'est une sélection. Tel c'est joueur sélection. Ou... Non, la question... Oui, elle est claire. Les poulains d'accord. C'est-à-dire, on n'a pas de rapport mercantile avec les joueurs. Ça existe. Mercantile aussi, peut-être affectif. Non, je veux dire, il y a, à un moment donné, on a appris que certains joueurs monnayaient leurs interviews, leurs scoops, leurs compétitions. Il y a eu des pratiques dans ce sens. Il y a eu des pratiques dans ce sens. Des interviews qui ont été peut-être négociées, comme vous. Mais c'était juste après la Coupe du Monde, surtout. La qualification, juste après. Après la qualification, il n'y avait pas le temps, c'était l'ambiance. Après c'est la l'euphorie. Coupe du Monde, je suis d'accord avec toi en disant que
Il y a certains d'khlouf a dit que t'as m'interche aller, on sait jamais, mais je suis, je comprends le message, mais nous ça n'a jamais été le cas. En toute modestie, hein, quand, que ce soit les sélectionneurs nationaux ou la, les joueurs, on a eu un rapport très professionnel avec eux, c'est-à-dire on a rien n'a pas l'air de peut-être l'homme n'a pas au cours d'un gala d'un match mais alors peut-être on a mal jugé ou là peut-être vous avez encensé ou d'accord c'est possible mais c'était pas dans un but de ni de le protéger ni le détruire. Voilà, c'était mais il faut dire qu'il y avait une ambiance de folie, c'est-à-dire tiens une équipe qui se qualifie en Coupe du Monde après 24 ans de les joueurs sont portés aussi. Les joueurs étaient portés. Mais chahna, خرجنا لثلاث ملاين الجيروان نهار ولاو من السودان. سي شعب اللي خرجهم ورجعهم دي الجيريان. اللي خرجوا الجيريان. نو جاو الجزائر، جاو الجزائر، جاو الجزائر تبعوهم في البوس. أم دورمان، لو روتور دوم دورمان. لي جون دا enfin les habitants d'Alger sont sortis. Donc ils ont طلعوا un niveau qui était effectivement largement surcoté. Et à un moment donné, il y a eu la chute. Et là, c'est l'inverse. Le, dimanche, le stade était vide. C'est un match sans enjeu aussi. Mais bon, il y a deux ans, il y aurait eu, même sans enjeu, il y aurait peut-être eu les gens, ils auraient chauffé. Dans Serbie, il y avait... Ouais. Non, mais, c'était non, il y a la déception liée. Les joueurs, le public est déçu par autant il les a encensés il y a deux ans, ou là il y a un an et demi, les meilleurs joueurs du monde, et tout le monde était persuadé qu'ils pouvaient jouer au Barça. Le public était un amour de Batchit. Voilà, mais après il y a eu le retour de manivelle. Retour de manivelle, les maqbelouches, les maqbelouches, pour la simple raison que nous avons appris, bon, c'est une confidence qui nous a été donnée, mais les certains joueurs sont allés voir le président de la FAF pour un peu se plaindre des méthodes d'Ali Lodzic. Est-ce que ça m'a bien abouti? Oui, c'est ce qui se dit dans les coulisses, mais bon, est-ce que c'est vrai? Bon, je ne pense pas que d'entrée déjà, les joueurs puissent monter des clans comme ça contre le sélectionneur, parce que bon, ils ne travailleraient pas à leur intérêt. D'ailleurs, on l'a vu sur le match, comme l'a dit tout à l'heure Nasser et Hussein. Beaucoup de joueurs, on les a vus en train de jouer pour eux, pour l'entraîneur, pas pour construire, pas pour le pour plaire justement au public. Donc c'est pour cela qu'il y a eu cet excès de précipitation, un jeu décousu, pas de construction, etc. Maintenant, est-ce que... Alain Kemmel, ce qui s'est dit, comme pour Arachouchef, quand on vient en équipe nationale, on vient pour les couleurs nationales. Bah, ça, c'est... On n'est pas payé, c'est-à-dire que Machik, c'est pas notre club. C'est pas notre club employeur, on joue pour défendre l'équipe nationale. Et le comportement, le coach, match bombe tellement. Ouais, je pense que se comporter, il l'a dit tout à l'heure Hussein, quand on vient en sélection, d'abord c'est une fierté de représenter les couleurs du pays, et puis un minimum de discipline et un règlement intérieur à respecter au sein d'une sélection. En plus, on passe pas tout son temps en sélection, on est là pour 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, je pense que c'est la moindre des choses, c'est d'arriver à l'heure, comme le font tous les grands joueurs de toutes les nations. Je suppose qu'en Espagne, champion du monde, ils font la même chose. Ils oublient même leur querelle, Barça-Real, et quand ils se retrouvent en sélection. On a vu le dernier Barça-Real où il y a eu quelques frictions. Le lendemain, les joueurs, les capitaines ont réagi pour justement remettre les choses en place. Donc, je pense qu'il y a un minimum, un SMIC de comportement au niveau d'une sélection. De là à aller voir un président de fédération pour lui, chaparder contre le sélectionneur, c'est inadmissible. Là, je ne pense pas à la chef ou le président. Voilà. Parce qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a mis en place un nouveau code règlement intérieur qui dit en gros sur 3 ou 4 volets qui a gêné un peu le. Premièrement, extinction des feux, 21h30, même la play Hepsora, même la Horta. Alors d'habitude, ils passaient leur soirée à jouer. À faire même plus. Non, la partie de la nuit. À Marrakech, c'était plus. Qu'est-ce qu'il a dit encore
les parents, ouais. Pas de visite, c'est-à-dire pendant le stage, Wahed Meji, Kanoujou, oui. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Voilà, en plus, sur les histoires de régime alimentaire, personne ne... tout le monde doit manger à la même heure, voilà. Bon, ce ne sont pas des contraintes. C'était pas, c'est pas extraordinaire. À l'époque de Bruce, c'était comme ça. Mais c'est automatique. Mais à notre époque, à l'époque de Hussein, là, c'est automatique. Ça, c'est une sélection, c'est l'Algérie. Ndji, ça ne veut pas dire Ndji. Mon employeur, c'est l'Algérie, il a dit qu'il y a plus qu'un employeur. Oui, Nasser, smahli. Oui, Nasser. Les joueurs, ils ont l'habitude de changer d'entraîneur. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ont eu l'occasion de voir 3-4 entraîneurs dans une seule saison, déjà dans leur club, les clubs Tahan. Donc les joueurs, ils sont habitués à voir les changements. Donc ils sont flexibles, les joueurs. Ils peuvent, du jour au lendemain, changer d'entraîneur, ça ne leur pose pas de questions. Non, Hussein, surtout comme il a dit, juste pour 3-4 jours, c'est pas Maché Am Kamel. Là, Hussein Hada, même au niveau, peut-être les confrères ils sont d'accord, mais même au niveau administratif, certains, qui m'a connu Khidmou Rouma, il y a certains réflexes, il y a certains réflexes, non, on a droit à la technique et même tout ce qui est la gestion de l'équipe nationale, un entraîneur qui m'a dit l'autre, c'est un entraîneur qui a du caractère, du charisme et tout, qui dit, c'est pas que le volet technique, et c'est ça, heureusement, qui va être le volet technique, si tu fais une révolution, une razia, tu n'as pas tout. Et tu sais, de nouvelles c'est méthodes. La vie de l'équipe. Et c'est exactement. C'est la vie du groupe. L'administration, c'est la vie du groupe, la vie de. Il y a eu le passage Ben Sheikha Saadan. J'ai eu. Quand on discutait avec Ben Sheikha avant sa prise de fonction en équipe nationale, il disait que certains trucs le gêner ouais. Dans la gestion de cette équipe à l'époque Saadan, de Saadan. Voilà. Mais qui quand il a pris les rênes, il a gardé les mêmes habitudes. Il a fait le journal, c'était strict, Ben Sheikha général et tout. Ouais, général. Bon, général dans son club peut-être, mais en équipe nationale, les choses avaient changé. Non, les choses étaient certaines. Il était strict aussi. Salim, je suis certain. Sur les formes, pas sur le fond. Salim, pour revenir sur le point, Lilozic, je suis d'accord que lui, il veut faire. Table rase à la coulche. C'est une nouvelle méthode, une nouvelle vie à la sélection. Il faut y adhérer. Soit tu trolles, soit tu trolles. Nasser, il dit qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Surtout, il n'y a pas l'équipe nationale derrière la Coupe d'Afrique ou qualifier. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Le volet technique, il n'y a pas de changement. Le volet administratif et tout ce qui est autour de l'environnement. Il n'y a pas de changement. Il est connu pour sa méthode aussi, Hussein. Il est connu à dire la méthode. Là où il est passé, même quand on a demandé, il fait Paris Saint-Germain. جيرمان ولا فيلي صح انا نعرفوه يصير هكذا يصير هكذا قبل ما نجيبوه نعرفوه دونك مي ميم لا فيديراسيون او مومون او il a été installé pour la première fois la fédération a parlé d'écart disciplinaire après le Marrakech absolument ou علاش هضروا على des écarts disciplinaires c'est qu'il y a des événements qui sont passés qui ont été confirmés par les responsables de la fédération qui a eu des écarts disciplinaires du temps de monsieur Ben Sheikha. Mais d'où Ali Lozic, il faut donc s'ils l'ont ramené Ali Lozic, tu as raison, c'est qu'ils savent comment il allait gérer la sélection et mettre en place le système Tahou qu'il a appliqué là où il est passé. Et d'où il lui faut du temps. Il y a des confidences, il y a eu des confidences où des responsables de la fédération a l'oubli, alhamdoulilah, tahannina, jibna wahed, li rah yqoum lana hadi jouer. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Le choix de Ali Lozic n'est pas... Quand tu as des confidences, c'est tout à fait... Les joueurs marchent généralement. Si, comme on a droit à Hussein. Non, il a raison, ils sont là pour 4-5 jours. Je pense à des hadaras. Oui, mais quand on est gêné, les 5 jours, un changement, ça allait. Non, c'est les gênés. Peut-être, c'est le lieu. Ils étaient dans des hôtels un peu plus confortables. Voilà. Dans des endroits. Le fait d'être assis des Moussa, c'est un camp d'entraînement de sportif. Il y a une logique. Tu joues la République centrafricaine, tu te bêtes dans un 5 étoiles. Je dis pas que c'est le mauvais choix. Je dis que ça a changé. Non, les changements sont clairs. Hein. D'abord, on va à Sidi Moussa, on va pas au Hilton ou à côté.
On joue au 5 juillet et pas ailleurs. Donc c'est fait exprès, le coach il est là justement pour faire malgré changer les habitudes. Mauvaise qualité, pardon, non, ça. Malgré la mauvaise qualité du terrain. Et là, on peut ouvrir une parenthèse parce qu'on s'est entraîné à 6 reprises sur ce terrain. Chose qui est anormale pour un stade principal où on s'entraîne 2 fois. Ça a un bon pelouse, mais... Non, non, la réglementation, elle est claire. C'est l'équipe nationale, une fois, l'équipe adverse, une fois, et ça s'arrête là. Vous prenez les autres sélections... Elles s'entraînent toutes sur d'autres terrains, pas le terrain principal de jeu. D'ailleurs, lors du match contre le RCA, on a vu la qualité du terrain. Même les joueurs avaient trouvé beaucoup de difficultés à contrôler ou à faire un geste, ou, etc. On va continuer encore à parler d'Ali Lozic, Ali Lozic, Ali Lozic. Donc, Djouzou, avec les entraîneurs. La conférence de presse de l'Khalania, vous avez remarqué qu'il a parlé des entraîneurs. Il a titillé un peu les entraîneurs pour dire Billy, sans le dire, le travail, c'est-à-dire occupez-vous du travail avec le club. Implicitement, il voulait dire ça. Il a raison. Tu as fait le club, préparer le joueur qui est gêné. Apte à une compétition internationale, bien préparé. Il a raison. C'est un message clair et net. Les entraîneurs de club. Tu prépares l'équipe tech tout d'abord. Tu es de bonne qualité avec un jeu fluide. Les équipes tech qui jouent, mais ils ont la fond de jeu. Tu es bien, tu as fait une élite. Les joueurs. Enfin, moi, je pense qu'en tant que technicien, à mon avis, il ne s'est pas vraiment attaqué aux entraîneurs comme ça, frontalement. Non, j'ai dit implicitement. Implicitement, mais je pense qu'il est, lui, il vise un peu un problème de fond. C'est-à-dire que les entraîneurs algériens ou que le football algérien, il faut qu'à un moment donné, il ait une politique de formation pour qu'à un moment donné, le sélectionneur puisse trouver de bons produits, des joueurs de talent, de grands joueurs qui puissent jouer en sélection. Cela s'est fait à l'époque des années 80 où n'importe quel sélectionneur aurait pu gérer les Blumé, Majer, etc. Ça a été fait pendant les générations qui ont suivi jusqu'à 2004 avec Bouhram Chalef et Saadane à la CAN 2004 en Tunisie. Donc je pense qu'il a dit à maintes reprises problème de formation. C'est-à-dire que c'est limite au niveau des clubs. Même si un entraîneur au niveau d'un club fait bien son travail, on le voit, hein. Un Charef ou un Ordin Saadi, HLF, etc., je pense qu'ils font bien leur travail. Mais ils ont le produit de la formation qui vient, c'est le prolongement d'un long cursus et c'est avec ça qu'on doit composer. Lui, à mon avis, il a diagnostiqué une situation du football. C'est très simple. D'un fin connaisseur qui dit, chef, combien de matchs tu as championnat tu as. Il a parlé du jeu offensif, Il y a plus de crampes que de buts. Exactement. Et tout ça, c'est un diagnostic ou un message pour les entraîneurs. Occupez-vous d'autres choses, tout simplement, Adam Akin. Le diagnostic, il est là. Il y a le football, un connaisseur, enfin, il dit dès l'analyse. C'est pour soigner la manière de l'équipe nationale, le jeu de l'équipe nationale. Pour avoir une bonne équipe nationale, il faut avoir un bon niveau de championnat tout d'abord. Même il y a le bien, il y a peut-être 50%. Non, il y a 50%. Les gens qui sont ou 50% de locaux. Il y a les locaux, il y a 1%, on ne l'a même pas. D'ailleurs, Saadane, quand il a repris la sélection en 2007, ou bien Benchikha après lui, ils ont toujours essayé pour prendre 50% de locaux, 50% de joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger. Mais ça ne se fait pas, ça. Et après, ils ont terminé par une équipe quasiment composée de joueurs professionnels. Saadane est parti en Coupe du Monde, il a joué la Coupe du Monde avec une équipe pratiquement composée de joueurs professionnels. Benchira, son dernier match contre le Maroc à Marrakech, c'était pratiquement une équipe dont les joueurs évoluent en Europe. Messieurs, c'est une question qui vous est adressée, Thomas Kamel. Donc, rahna rohoun, la colle professionnelle. Allez, je me dirige le contraire. C'est-à-dire, après Ziguin Chor en 92, on a vu avec l'équipe rahat complètement, match final émergence d'une génération. Tani Dziri, Amrouch, Kadr, Chérif Louzani, sur le seul rescapé. L'équipe. L'équipe Eril et Mahdawi. Pourquoi pas? Peut-être, je ne sais pas, c'est un débat, je pose la question. Hussein d'abord, Nasser. Est-ce possible aujourd'hui?
Tout est possible. D'autant que les joueurs chefs au coup, je l'ai quand même le mondial. Donc. Tout est possible. Ça dépend. Moi, je suis bien. Ça veut dire une reconstruction. Le public, tu as un peu de temps. Il chauffe à 5 ans, 6 ans, équipe nationale, donc il faut mettre du temps. Ou là, il faut que les gens aient des résultats immédiats. Il faut que les gens aient des directs. تنحي وتجيب واحد اخرين ديريكت جدد لازم تما تبدل يفو بروفيتي دي ليكسبيريونس هاد لي جوار لحقوا المونديال وداروا دو بون شوز فو لي جوار لي جايين تحتهم ثاني يدوا عندهم يا دو بون شوز فهاد ليكيب ما نقولوش باسكو ما راحوش هكذاك برك المونديال دونك ندوا الميور اللي كان فهاد ليكيب ونطلعوا بالعقل بلي جون بالك كاين دي جوار اللي يقدروا يمدوا ثاني مع دوتر جان بالك يكونوا كما يقول لك يقدروا يبوف فوندر كما يقول لك مع هاد لي جان يقدروا يمدوا ان بلوس سي مون بروبر كما يقول لك افي ما على باليش دوك كل واحد واش هو يشوف سا ديبون الكوتش ثاني واش هو يشوف ونصر بون سول نو ني شوف ما اسمح حسين شويه ما ماشي بتات ما قنعنيش ما قنعنيش ماشي ما قنعنيش نون كونت اون فوا الماتش تاع لاطونسيو لير الي لوزيش الماتش تاع لاطونزاني والماتش تاع لا ريبوبليك سنتر افريكان هذه انا جو بونس سادير كي فو غاردي لي بلوز ابت لي ميور يونا با بوكو جو بونس يفو لي غاردي لي غاردي اي انجيكتي دو 109 كيت انجيكتي دو 109 نجيبوه من هيك نتفاهموا Oui. Fermo. Même oui. injecter du 109, Ndjiboum Lika. Déjà, je ne sais pas des noms qu'on est en train de citer. On dit donc, pourquoi pas les locaux ? On t'aille à le débat, mais les locaux. Ah, okay, non, les locaux. Je ne sais pas si tu veux intervenir. L'équipe nationale, c'est les meilleurs. Que ce soit algérien, soit il a joué à Zaire, ou la France, ou la Tunis, ou la Libye. Les meilleurs, 30, 40. Les meilleurs ou les meilleurs des moments les connaissent les 11 terrains. Hadi y a t'sma la politique bach t'njah l'équipe nationale. Parce qu'il peut y avoir un joueur X en janvier, le mars, ou le meilleur. Mais le mars, le juin, il n'est plus sélectionnable. Il n'y a pas de niveau. Donc, on a le meilleur du moment. Man hadrouch hadi joueurs locaux joueurs pro ils sont tous des professionnels garant professionnel nchoufou le niveau wa rah balak kayen un joueur li lab f dzaïr ando kijibouhom un stage ychouf belli balak niveau taou khir mem li lab leh Hussein, il y a la facilité. Donc, ça, là. Les responsables de la fédération. C'est un problème d'un championnat national. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut en faire un championnat les meilleurs ? C'est-à-dire, les dirigeants actuels du football, je suis désolé de le dire, mais il y a un championnat national. Pour eux, il y a un produit marketing. Ça fait des années aussi. Oui, oui. Il y a un produit marketing qui s'appelle Équipe nationale de football, qui leur amène 200 milliards de centimes par an de rentrée publicitaire. Ils mettent en valeur ce produit-là, quel que soit l'état technique de cette équipe. Ils réussissent. C'est de bons communicateurs. Ils arrivent à vendre, parce qu'il y a eu aussi des résultats, cette équipe-là. Voilà. Quand tu cites l'exemple de 92 Mahdawi Eril, il y avait les restes de la réforme existaient encore. Il y avait c'est tout récent. Il y avait des produits, il y avait des Zéré, des Amroch, il y avait des clubs, qui Marharach, Kdayal, Tlemcen, il y avait des joueurs qui étaient formés. Donc, chauffez les stats à championnat, les stats sont vides. À l'époque, quand il y avait les années de terrorisme, d'ailleurs, stade Mammarin, alors qu'il n'y avait pas d'argent, pas de sponsors, il n'y avait que les aides de l'État. Il y avait la qualité des joueurs. Oui, mais c'est-à-dire on ne fait rien pour mettre en valeur le championnat algérien, indépendamment des joueurs. C'est-à-dire on balle tous les joueurs. Ça, c'est l'imkit à Draham. Il dit le jour où il a le produit, c'est-à-dire l'équipe nationale, il sera plus vendable. Non, il sera plus vendable. Si on ramène à chaque fois. Ou l'Andri Khalid a fait les résultats. N'jib joueur où il a Flowem, n'jibou. N'jib joueur où il a Paris, n'jibou. Joueur où il a Newcastle, n'jibou. Je peux mettre en valeur cette équipe
par certains éléments. Absolument. Alors que le problème Tana, c'est au niveau du championnat national. On va dire qu'on nous autres là, Tarbaashra, c'est pas ça le problème. Est-ce que on veut Nkhardjoum, championnat algérien, des bons joueurs? C'est pas on met, on peut mettre en place une politique à long terme de formation. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il mais, faut. Mais s'il y a juste un intérêt pour le championnat national. On ne le traite pas d'une manière inélégante, pour ne pas être méchant. C'est du mépris. Pour moi, c'est du mépris. On méprise le championnat national au niveau de la fédération. Il faut redonner plus d'importance. On fait tout pour casser ce championnat. On annonce un championnat professionnel, mais on ne fait rien pour mais le mettre en valeur. Salut, moi je vais au-delà. Ce n'est pas seulement que le championnat, c'est tout le football algérien. Oui, c'est mais tout le championnat reflète, c'est l'élite du championnat donc, national. Quand il y a un championnat national qui n'est pas télévisé, un championnat national qui n'est pas... qui se joue devant on fait tout pour gradins faire jouer des gradins. Ah oui, clos. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'un jour, on va sortir des joueurs et ça... Il y a donc, beaucoup d'erreurs qui se... Forcément, la vision actuelle, c'est d'aller chercher les joueurs algériens qui jouent dans des clubs à l'étranger. On n'en est pas encore à réfléchir à Bachi Djibou, des joueurs du championnat d'Azer. Parce que ça nécessite beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Le professionnalisme, ce n'est pas du jour au lendemain. Exact. Il faut mettre à niveau les stades, il faut avoir des terrains pour s'entraîner. Dans ce sens, on est loin, ça. Là. En termes d'engouement, les années 90, les derbys Mouloudia Usma, ou la CSC Mok, ou la Khol Mouloudia Tawaran, clubs devant le stade. Salim, pour résumer la chose, le championnat national n'est pas attractif. À qui la faute? Mais on a fait tout pour le Bachi Willi. Médiocre. La fédération. Est-ce que c'est la fédération qui est responsable de ça? Mais s'il y avait de la qualité aussi, là. C'est tout le monde qui est responsable. Non, Salim, s'il y avait de la qualité, tu allais jouer les gens. Il y a de la qualité. Il y a certains matchs qui jouent au championnat national qui sont de bonne qualité, qui ne sont pas d'excellente facture. Mais bon, si en plus. Il y a eu un Nahd Chlef où le match n'était pas mauvais, il était très correct des deux parties, y compris de la part de la jeune des jeunes de Nahd. Mm-hmm. Mais si c'est mal filmé, c'est mal mis en valeur. Les stades, c'est difficile de... Oui. Mais les stades ne sont pas en ordre. Le joueur ne peut pas progresser. Et si en plus on dit qu'à chaque fois... le championnat d'Azer m'a fait walou, ma kach balou, nouk daya, on enfonce encore plus nos il y a aussi un problème. Même la presse, on est responsable pour la simple raison. Les unes, tu as les journaux, c'est Ziani, Bougra, Metmour. Non, c'est... ça dépend des aussi, périodes. Aussi, on ne fait rien. Je rejoins Hammo. Même vous, les médias, vous ne jouez pas le rôle correctement. Pour que ce championnat sorte un peu de cette... Parce que le championnat est à dire qu'on le veuille ou pas. Je connais... Mais Nasser, on oublie une chose. Un championnat, c'est un produit. Oui, c'est un produit. Ce produit, s'il n'est pas attrayant, personne ne le prend. Aujourd'hui, vous avez une concurrence incroyable quand les gens sont chez eux et peuvent voir des matchs à outrance et de beaux matchs. Pourquoi voulez-vous qu'ils aillent au stade? Il y a eu une petite expérience d'une chaîne télé qu'on ne va pas citer, qui a commenté les championnats nationaux. Elle a déguerpé en Les gens arrivaient à voir un championnat plaisant, tout d'un coup, derrière, parce que le commentaire avait changé. Les ingrédients. Voilà, c'est vrai, Turkot. Même leurs deux matchs, tu as un état. Oui, tout ça, la programmation, on a parlé de tout, la programmation, les stades. Il y a des ingrédients qui font le football professionnel et qui... On ne peut pas dire on est professionnel, blablabla. Soit on met tous les ingrédients et on essaie de pousser, soit ce n'est pas la peine. Et il faut dénoncer cela. Quels sont les... Non, on parlait. On n'est même pas acteur, on est observateur. Oui, mais vous pouvez en faire la une de vos journaux, dénoncer tout cela. Les gens ont l'impression que les médias font et défendent l'actualité, alors que ce n'est pas vrai. Nous... On n'a pas cette prétention. Salim, est-ce que vous avez fait une campagne avec un titre d'exemple, là, dans l'année, n'importe au pif, là, les huis clos?
Oui, on a fait. J'aurais fait un tapage sur les huis clos. C'est la personne. Personnellement, j'en ai fait un dossier la semaine dernière. Oui, donc, je voudrais que ça soit à la une des journaux. Qui fait cette Abba match à huis clos? Le club, Adek, le club. On regarde le débat. L'équipe nationale. Nous, l'équipe nationale. Quand on a parlé du football, les gens, il faut quand même dissocier les deux. L'équipe nationale, c'est une chose. Le football algérien, c'est une autre. Il ne faut pas cacher le football algérien par l'équipe nationale. Aujourd'hui, après l'euphorie de la Coupe du Monde, etc., quand on prend un peu de recul et quand on analyse un peu les choses, je pense que quelque part, tout ce qui s'est passé a plus enfoncé le football algérien que l'avoir servi. En France, en 98, quand les Bleus ont gagné la Coupe du Monde, le nombre de licenciés a augmenté, la fréquentation dans les stades a augmenté, il y a tout un engouement, un développement du football. Aujourd'hui, on n'a pas la même chose. L'équipe nationale est partie en Coupe du Monde, mais le championnat s'est encore dégradé, plus de violence, une programmation catastrophique, le huis clos, etc. Tout est vide. Et comme Salim l'a dit, on s'occupe beaucoup plus de l'équipe nationale et que le football algérien est délaissé. Est-ce que vous êtes censé savoir qu'une fédération algérienne n'a pas de DTN? Ouais. C'est grave pour une fédération de football. C'est du mépris. C'est qu'on n'a pas de politique pour ce football, on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie. On s'occupe de l'équipe nationale parce que bon, ça fait la vitrine, ça fait un peu de populisme. Donc pour répondre à ta question, c'est impossible. Voilà. Deuxième à la prochaine question. L'Algérie est aujourd'hui éliminée depuis avant-hier, la campagne les éliminatoires. Est-ce que elle va profiter justement pour entamer les éliminatoires 2014. On parle de la Coupe du Monde. Agdaya, ce qu'on a pu remarquer en tant qu'observateur, à mon avis, les deux prochains matchs, ils jouent en novembre. Il y a deux matchs de préparation. Tunisie-Cameroun. On verra une autre image. Une autre composante de l'équipe nationale. Hossein, pour moi, il va changer beaucoup de choses. Hossein, je pense, oui. La même chose. Moi, je pense que ce sera le véritable vrai départ à Ali Lozic. Ah oui, ces deux matchs-là, après, c'est partir sur rail. Oui, enfin, lui, il l'a dit. Le 2 juillet, quand il a animé sa première conférence de presse, il a dit que moi, j'ai 6 mois jusqu'à la fin de décembre justement voir un peu les choses, voir les joueurs, essayer de changer les choses. Et à partir de janvier, parce qu'il va entamer les préliminaires de la CAN 2013, là, peut-être qu'il va choisir son groupe de joueurs, de 25 joueurs avec lesquels il va essayer de travailler. Mais moi, je reste un peu sceptique parce que bon, je ne vois pas vraiment le changement, à moins qu'il aille chercher quelques joueurs nouveaux ailleurs, il va composer une nouvelle équipe avec une nouvelle vision, façon de jouer. Bon, ça reste très délicat dans le laps de temps qu'il a pour faire tout ça. Il faut être très attentif à l'évolution de l'équipe d'Aïd Joudif, tournoi préliminaire du Caire. Parce que si cette équipe se qualifie pour les Jeux Olympiques, elle va puiser. Je pense que ça peut donner des idées de la sur, matière. Sur la future configuration de l'équipe nationale. Elle peut être partie issue cette équipe. Puiser dans cette sélection. Si elle se qualifie, ça sera. Elle aura donné la preuve de et participer aux Jeux Olympiques, c'est un événement. Nasser, tout à l'heure, quand c'est le vrai départ de Vahid Ali Lozic. Je pose une autre question. Est-ce qu'il va tenir le coup, Hossein? Pourquoi il ne va pas tenir le coup? Je pose la question. Tenir le coup, c'est dans son contrat. Parce qu'il est habitué à être contre tout le monde. Sa façon de voir les choses, donc il est... Parce que moi, si je pose cette question par rapport à Dorka Kian Nchoufou, il doit être les combles. Sur le plan administratif, parce que il faut le dire, les gens qu'on a, mais si tout le show a été Ali Lozic, le jour qu'il a joué, mais si ça continue Hagda, on a problème. Est-ce qu'il va pas se décourager? Non, ça m'étonnerait. Parce que d'abord, c'est pas un club, c'est une sélection, donc il peut ne pas convoquer les joueurs qui, entre parenthèses, poseraient problème. Mais est-ce qu'il y a des signes qui te font dire ça? Il n'y a aucun signe. S'il avait émis, ne serait-ce qu'un soupçon, Paul Salim, par rapport aux joueurs d'abord qui se plaignent ou qui lisent le message de la Rawa. Je pense que quelque chose a changé. Par rapport à certains membres du staff
administratif li am yqoulou bli ma ajbouch à partir de là on peut se poser peut-être la question. Ndani va tenir le coup contre vents et marées, il va tenir le coup. Après c'est les résultats qui vont trancher. Mais qui m'a dit Hussein قبيله لكن l'équipe a déjà وصابها qualifié coupe d'Afrique ou la coupe du monde ou داوي خلط. Les gens had nas ils auraient pu avoir leur mot à dire. Mais donc, il est éliminé. Là, ça a été un changement. C'est-à-dire, tu es éliminé, donc celui qui apporte le changement, il a tous les pouvoirs. Il est en position de force. Et en plus, par rapport au match d'avant-hier, on a vu un entraîneur, même s'il n'a pas fait montrer sur le terrain ce qu'il a dit, mais il y a le projet de jeu, il y est. C'est-à-dire, ce qu'il a annoncé à la conférence de presse, il a essayé de le faire sur le terrain. Mais ça a été mal fait. Ça a été mal fait. Oui, mais on a vu la mobilisation des joueurs. Ils étaient là, ils étaient présents. Mais le projet existe. C'est à lui à le mettre en place. Il a encore 6 mois parce que, effectivement, le premier match à Oukaleb, c'est en février. Donc, je crois qu'il a le temps de mettre en place un dispositif. Il ne faut pas oublier, parce que ça fait longtemps qu'un sélectionneur n'a pas débuté avec sans défaite à l'extérieur. Lui, il a ramené un nul de la Tanzanie. Il enchaîne avec une victoire, même si la manière n'y est pas, mais c'est enchaîne avec une victoire. Donc il a les atouts, il a tous les atouts pour le moment. Il en a eu 4 sur 6, 4 points sur 6. Voilà, donc. Mais si on termine, c'est classe l'équipe nationale. C'est bon. L'équipe nationale. La prochaine fois, Hamoud, on a un débat sur. Sur le football qui m'a dit que Salah. Sur le football d'une façon générale. Le football est classé. Non, le football. La refonte. Pas la sélection. La refonte. Sur le problème de fond de notre football. Le problème de fond. On a oublié Boussalim parce que. Lui, il va. L'introduction est responsable de tout. Non, c'est vrai. Je comprends pas comment on puisse. Mépriser un championnat national et ne pas s'inquiéter parce que tous les week-ends, les stades ne sont pas. Il n'y a pas d'engouement. Les deux équipes qualifiées en Coupe d'Afrique. Non, je suis allé voir les deux équipes. Oui. La stade est à Maria. Non, ma chère, même le Harrach, même il y a des stades. Nahdi, ils vont. Effectivement, il y a plusieurs clubs qui. Mais on ne sent pas qu'il y a. Une ambiance générale qui enfin c'est un autre type d'ambiance là ça à Chio Stade Mamar l'ambiance de l'interview on a Hussein j'ai interview leak voilà c'est une interview vérité c'est des questions où il a عندك droit غير oui ou non mais c'est حتى كلمه تحب لا فهم على الاخر كاش كومونتير ولا مليحه دونك نشوفو alors première question Hussein Achiou. Est-ce que vous considérez que vous êtes sorti par la petite porte de l'USMA? Oui. Deuxième question. Mazel Amjay. Hussein Achiou, est-ce que vous pensez qu'avoir signé pour une seule saison JSK a été une erreur? Tu m'as dit que est-ce que c'est une erreur? Mais regretté, tu veux dire que tu as fait le bien? Là. Non. Mais regretté, Walou? Non. Hussein Achiou, est-ce que vous confirmez qu'il y a des présidents qui prennent des commissions lors des transferts de joueurs vers l'étranger? Oui. Quatrième question. Hussein Achiou, est-ce que vous confirmez qu'on a voulu prendre justement une commission transférée avec la Suisse? Non. Cinquième question. Hussein Achiou, du temps où vous jouez en équipe nationale, confirmez-vous nous, l'équipe nationale, que certains joueurs faisaient la loi? Oui. Sixième question. Hussein Achiou, ne pas avoir accepté l'offre de Lorient, était une erreur de votre part ou non? Oui. Septième question. Hussein Achiou, est-ce que c'est vrai que Jamal Belmadi était le leader du groupe, mais sa présence était devenue insupportable par les responsables. Adina nous l'ont tourné ça. 2004. Oui. Hussein Achiou, huitième question. Est-ce que c'est vrai que vous avez demandé plus de 15 millions de dinars pour signer au Mouloudia? Vous avez exigé plus de ça? Non. Cette saison. On n'a pas parlé. Mais elle a une des années où il contactait au Mouloudia. Non, j'étais pas. Al-Haqsh.
La balle. Dernière question. 10, on va. Voilà. Hossein Achou, du temps de la présidence de M. Saïd Alliq, est-ce qu'il y avait des tops le vestiaire? Non. Les canuts sortent du club. Saïd Alliq. Parce que vous voyez là, ça dépend. Il y a une année, il n'a pas. La présidence, enfin, sous la présidence de. Non, il y a toujours. Il y a toujours des temps. Il y a toujours des oreilles du président au vestiaire. Et des fois, on recrute des joueurs juste pour mettre. Écoute. Bon canon. Mais ma chère, ça m'a canon chez Darrow. Il y a un canon. Sur ce, je vous remercie, monsieur, d'avoir accepté d'abord l'invitation. Barakallahu fikoum. Nous espérons vous retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée avec les programmes de Beurre TV. Merci et bonsoir.